ça va? Aujourd'hui, je vous propose un voyage. Laissez-moi vous entraîner dans le monde merveilleux des web-séries nantaises. Alors, qu'est-ce qu'une web-série? Eh bien, une web-série, c'est avant tout une rencontre entre des individualités dont le dénominateur commun est bien souvent le chômage. Vous avez déjà pensé au suicide? 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 Voilà qui règle définitivement la question « qu'est-ce qu'une web-série ?». Maintenant, reste la seconde question « qu'est-ce qu'une nantaise ?». Ça va, t'es pas trop seule dans la vie, t'as une petite copine? Ouais, la bière. Et toi, mon mignon? Petite copine, elle a 18 ans dans 6 mois. Super canon. Eh, dis donc, Brad Pitt, t'es maqué? Je sais pas, fais voir. Ouais, je suis maqué, ouais. Bon. Bah sympa quand même les gars. Les réalisateurs de web-séries débordent d'imagination. Il y en a pas deux pareils, il y en a pour tous les goûts, pas vrai les filles? En effet, Si vous n'aimez pas la montagne, n'est pas une web-série comme les autres. Ce n'est pas une suite de courts-métrages, ce n'est pas non plus une suite de clips, c'est un mélange entre les deux. Tout commence bien entendu dans les montagnes. Un été, en plein soleil. L'esthétique est drôle, légère et très très colorée. On a tourné ça toutes les deux, une fille et une autre fille. D'ailleurs, parmi les personnages, il y a uniquement des filles. Une première fille qui s'appelle Feutre, une deuxième fille qui s'appelle Maggie, une troisième fille qui s'appelle Louise, et une quatrième fille qui s'appelle Hopi. En somme, si vous n'aimez pas la montagne, vous aimerez peut-être l'esthétique colorée, le soleil et l'été, et surtout, le plus important, les filles! Les enjeux autour de ces réalisations sont multiples, notamment, n'ayons pas peur des mots, l'enjeu pécuniaire, car il ne faut pas perdre de vue que les équipes sont la plupart du temps bénévoles, ce qui n'enlève absolument rien à leur professionnalisme, monsieur. Oui. Bonjour, vous êtes qui? Vous avez un badge? Bah, je suis Mister Trace. Super, connais pas? Bah, le réalisateur de Jean Moulsemoul. D'ailleurs, il est là. D'accord, il est là, super, merci beaucoup. Voilà, c'est par là, allez-y. Allez-y, oui, continuez, voilà. Ce qui n'enlève rien à leur professionnalisme, je sais plus, ces deux connards m'ont niqué. M'a pris. Hey, tu sais c'est quoi le contraire du paradis? L'enfer? Mais non, c'est... Le radis. Le radis, paradis. Radis, paradis, paradis, tu vois? Maintenant, la question que tout le monde se pose, c'est qu'est-ce qu'il y a dans mon verre? En tout cas, moi, je me la pose. Mais avant de boire, je vais quand même trinquer, parce que je suis quelqu'un de poli, qui a reçu une bonne éducation et qui n'a pas oublié les affreux de la guerre. Pourquoi on trinque, déjà? Ah bah, si tu viendrais avec nous au bar La Connaissance, tu le saurais. C'est pour se montrer qu'on n'a pas d'armes. Ça veut rien dire. Non mais Bébert, c'est pas ça, souviens-toi. Non, en fait, on trinque pour mélanger les liquides et montrer ainsi qu'il n'y a pas de poison dans un des verres. D'accord. Donc c'est à des mecs comme ça que t'essaies d'apprendre des trucs, toi. Ouais. Le nerf de la guerre, la visibilité. Parce que ces séries n'existent que si elles sont regardées. Vous savez, ces petits cadres insupportables qui vous demandent de liker, de partager, de souscrire, de lâcher vos coms. Ils ne sont pas là rien que pour vous embêter. Non, ils sont le reflet d'un besoin, d'une nécessité, que dis-je, d'une obsession. Celle d'être observé. On ne sait pas ce qui se passe, alors on reste calme. Et toi, ça te suffit? On va peut-être crever ici. Mais non, on n'a qu'à rester là, attendre sans rien faire. Calme-toi, Jeanne, ça sert à rien. Mais elle a raison, ça sert à rien de péter un plomb, de partir dans tous les sens comme ça. On sait rien. Alors on attend. Puis, ça nous empêche pas de réfléchir et... Ça a changé, là. Quoi? L'appart, il a changé. Ouais, c'est ça. Arrête de fumer. Mais je vous assure. Et j'ai l'impression qu'on nous observe. Donc oui, il y a de la diversité. Oui, il y a du choix. Oui, il y a de petites pépites pour votre esprit. Donc restez attentifs et diffusez l'info. Salut! Pardon, c'est bien là pour les web-séries? Ouais, carrément, ouais. Ouais, parce que nous, en fait, on est... 1, 2, switch! Super, super bien. Par contre, non, là, c'est terminé. Si... Bah ouais, mais on est venu faire un sketch. Bah, allez-y, on regarde. Alors...